À Châlons, en Champagne à présent, le cercle d'escrime se bat depuis plus d'un an pour la mixité. C'est une discipline majoritairement masculine, mais le club marnais veut féminiser ce sport grâce à des réductions sur les abonnements. Et il compte de nouvelles adhésions. Leïla Sali avec Marie Bertone. Des pas, des gestes qu'elle répète inlassablement. L'épée, comme un prolongement d'elle-même. Anaël Doquet, 16 ans, s'exerce à l'art de la touche depuis ses 9 ans. J'ai commencé l'escrime il y a 7 ans. Et je m'entraîne 3 fois par semaine et une fois en décalé avec les autres pour une leçon individuelle. Elle est l'une des épéistes les plus prometteuses des féminines du cercle de Châlons en Champagne. L'an dernier, elle a terminé 21e au championnat d'Europe chez les moins de 17 ans. Mais lors des compétitions, elle a très vite dressé un constat. C'est vrai que sur les circuits, les garçons sont beaucoup plus nombreux, parce que c'est un sport, on va dire, de combat. Du coup, les filles ne sont pas destinées à faire des sports de combat. C'est pas vrai, en fait. Pour changer cette image, son club a décidé il y a 2 ans de réagir en encourageant la pratique de l'escrime féminine. J'ai proposé aux dirigeants du club un projet. C'était la première année quand une fille s'inscrivait, on lui proposait du coup 50% sur la cotisation et faire du coup tout un spot publicitaire autour du coup de cette promotion. Sarah, 9 ans, est l'une de ses nouvelles recrues. Elle est arrivée au club l'année dernière. C'était les grandes vacances, on s'amusait avec des bouts de bois. Et puis après, maman m'a dit que c'était l'esprit. Elle m'a fait montrer des vidéos, du coup j'ai fait des essais, j'ai bien aimé. Du coup je me suis inscrite. Comme Sarah, elles sont nombreuses à avoir bénéficié de cette offre. Les chiffres sont parlants. Depuis 2019, le club a vu le nombre de nouvelles adhérentes bondir. L'année dernière, on a eu 10 jeunes filles qui ont essayé et il y en a 7 qui ont continué cette année. Et cette année, on a 12 nouvelles filles. Et ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est qu'on a un créneau horaire où il y a plus de filles que de garçons. La Fédération française d'escrime enregistre 30% de filles pour 70% de garçons. Le club de Châlons, lui, compte aujourd'hui près de 40% de féminines.